Bonjour, chers parents et chers élèves. Nous sommes encore présents pour continuer le cours de renforcement afin que nos élèves ne puissent pas désapprendre. Donc, nous sommes au CP1 et nous allons commencer par notre leçon de lecture. Mes chers amis du CP1, nous allons commencer aujourd'hui avec la lecture. J'apprends à lire. Nous allons voir aujourd'hui de nouveaux sons. On va apprendre à lire de nouvelles choses. Donc on commence par le son on. On voit qu'on a ici o et n. On dit ça on. C'est la même chose que o et m. Donc suivez-moi bien, je vais lire. Vous allez voir. On. On. Un. 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 Donc faites attention, quand vous voyez, elles sont la même chose, est ici. Donc, comme d'habitude, nous allons utiliser notre tableau de lecture. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tableau avec ces nouveaux sons-là. On va lire ensemble. On. On. Un. 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 Alors ici, nous avons déjà vu ces sons-là que nous allons utiliser pour former des mots. On rappelle te, pe, le, be, de, me, ne, re. On a aussi ce, fe, qu'on a déjà vu, mais qui ne se trouve pas ici au tableau. Comme on le fait d'habitude, à l'aide du tableau, nous allons former des syllabes. Donc aujourd'hui, on va prendre seulement un seul son. On donne cet exemple-là. On prend le son on, et avec ces autres sons, on va former des syllabes. Donc, on prend te, on lit ton, te, on, ton, te, un, tan, 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 te, un, tan. Vous avez vu? Donc, c'est avec te, j'ai lu tous ces sons-là. Vous allez faire la même chose avec moi, avec le son pe. Donc, quand on a pe, on, ça fait pont. Vous allez continuer vous-même, comme j'ai fait avec te, et vous allez terminer ça. Bien, je prends toujours on avec les autres lettres. Le, on, long, be, on, bon, de, on, don, me, on, mon, ne, on, non, re, on, rond. Donc la même chose, le travail que je vous demande maintenant de faire, c'est de former ces syllabes-là pour remplir le tableau à la maison et en même temps les lire. On revient, on va former maintenant des mots. Alors, quand je prends ici, j'ai pris me avec un. Je forme ma, te, on, ton. Et je forme le mot menton. On a pris be, on, bon. Et encore be, on, bon. Quel mot on a formé? Bon, bon. De, un. Ça fait d'un. De, on, don.
on obtient le mot dindon. On a pris ici pe. On, ça fait pom, pe, e, pe, e, mais on lit pe. Ça fait pom, pe. Ça va? Ici, on prend an et fa. On obtient enfant. Est-ce que vous suivez? Vous voyez comment on a décomposé, on a coupé les mots, non? Donc, de, e, de. Ici, je prends me, un. On obtient demain. Pan, ta, long. On obtient pantalon. Alors, on voit que quand on forme les syllabes, avec tout ce qu'on a appris avant, on peut former plusieurs mots. C'est ce que vous allez essayer de faire pour trouver des mots qui existent et vous les écrivez sur vos cahiers. Nous allons lire ensemble, ou bien apprendre à lire certains mots qu'on a formés qui contiennent les sons qu'on étudie aujourd'hui. Le talon, on a le son en ici. Un biberon. Le ballon. Le nom. La dent. Maman. La lampe. Le courant. Le matin. Le pain. La fin. La peinture. Enfin. Impoli. L'enfant. Le vin. Demain. Voilà les mots que vous pouvez lire, apprendre à les lire. Et dans votre livre, vous allez trouver d'autres mots qu'il faut apprendre à lire rapidement. On a formé quelques phrases, deux phrases ici que nous allons lire ensemble. La première phrase, l'enfant joue, le E qui est devant, je ne lis pas. L'enfant joue au ballon devant le pont. Alors, dans cette phrase-là, tu vas essayer de trouver les sons que nous avons étudiés aujourd'hui. Je reprends. L'enfant joue au ballon devant le pont. Ça va? La deuxième phrase. Samba a faim. Il mange du pain et de la viande de dindon. Ces phrases-là, il faut bien les lire et faire une copie. Apprendre ces mots-là pour faire la dictée. Merci. Bien. Nous allons faire un exercice. Aujourd'hui, j'apprends à faire la dictée. Quand je veux, si je veux bien faire la dictée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois savoir écrire les mots. Les mots que nous avons lus tout à l'heure, ces mots-là que nous lisons, il faut savoir les écrire. Quand tu lis les mots, il faut apprendre à les écrire. Alors nous allons voir ensemble comment est-ce qu'il faut faire pour apprendre à écrire les mots et bien faire la dictée. Donc nous voyons d'abord une phrase ici. Maman lave la robe de Fatih. Si on me donne cette phrase-là, on peut me faire une dictée avec cette phrase-là. Si je ne sais pas bien écrire les mots, je ne peux rien faire. Alors, je prends d'abord maman. Quand tu veux apprendre à écrire un mot, tu lis d'abord le mot maman. Après, tu regardes. Pour écrire ce mot-là, qu'est-ce qu'on a utilisé? Donc, on dit, je vais épeler le mot, j'épelle le mot. Pour écrire maman, on écrit me. A. Me. A. Et puis, ne. Ça va? Là, on a épelé le mot. Tu fais ça. Et puis ensuite,
Tu écris maman sur ton ardoise. Tu regardes bien comment on écrit ça. Tu écris sur ton ardoise et tu lis. Après, tu effaces et tu prends ton ardoise, tu écris, tu ne regardes plus au tableau. Voilà, comme ça, tu apprends à écrire maman. C'est la même chose que tu fais ici. Donc, quand je vais apprendre à écrire maintenant robe, j'écris d'abord robe, je lis robe, et maintenant je dis comment s'écrit robe. Robe s'écrit R d'abord, O, B, et puis E. Voilà. Et maintenant j'écris robe sur mon ardoise. Après, qu'est-ce que je fais? J'efface. J'efface ça. Et maintenant j'écris. Je ne regarde plus au tableau et j'écris robe. Quand on me dit robe, maintenant je sais que j'écris R d'abord, O, B. Et puis E. Voilà. C'est comme ça pour chaque mot. Tu t'exerces à l'écrire. Tu apprends à écrire les mots. Je reprends. D'abord, tu lis le mot. Tu dis comment on l'écrit. Tu l'appelles. Fati s'écrit F, A, T, I. Et tu l'écris sur ton ardoise. Tu l'écris sur ton ardoise. F, A, T, I. Et tu lis Fati. Après, tu effaces et tu écris sans regarder. Voilà comment on apprend à écrire les mots et à bien faire la dictée. On fait bien une dictée quand on écrit tout correctement tous les mots de la dictée. Ça va? Donc voilà l'exercice que tu vas faire. On a trois phrases ici. Les mots que tu ne sais pas encore écrire, tu vas apprendre à les écrire. Je te lis les phrases. René pédale le vélo de Mamadou. Tu vas apprendre à écrire tous les mots de cette phrase-là et après, on te fait une dictée. La deuxième phrase, c'est l'enfant est dans la cour de l'école. On a une troisième phrase. Le petit Napo est sur la moto de Douti. Voilà les phrases. Donc, il faut apprendre chaque mot et périodiquement ou bien chaque jour, on te fait une dictée pour voir si tu sais bien écrire ces mots-là. Dans la dictée, si tu as faussé un mot, tu réapprends, tu reprends ça. Comment on a fait pour apprendre à écrire le mot? C'est comme ça qu'on apprend à écrire correctement les mots et à bien faire la dictée. Merci. Bien, chers amis, nous continuons. Pour terminer, nous allons voir une leçon de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir la table d'addition. On a déjà vu en classe comment on fait l'addition. C'est que l'addition, ça veut dire ajouter. Et en addition, on utilise le signe plus. Quand on voit le signe plus, ça veut dire qu'on ajoute. Hein? Quand j'ai 2 oranges, maman me donne encore 2 oranges, on me demande combien d'oranges j'ai maintenant en tout. L'opération qu'on fait, c'est plus. J'ajoute les 2 oranges. Ici, j'ai 2 et ici, j'ai 2 oranges. Donc, je fais une opération d'addition plus pour trouver la réponse. Et si j'ai des bâtonnets pour trouver la réponse, je vais compter. J'ai vu. Ici, j'ai les oranges, je compte les oranges. J'ai 2 oranges, je compte 1, 2, 3, 4 oranges. Bien, je compte 1, 2, 3, 4.
Et je trouve la réponse 4. Alors, avec la table d'addition, on peut faire toutes les opérations d'addition sans, même si on n'a pas de bâtonnet. Vous avez vu comment ça se présente? Ici, d'abord, en haut, on a les nombres de 0 à 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, même chose, de ce côté, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, comment est-ce qu'on utilise la table? Vous savez déjà, vous l'avez vu. Hein? Quand je prends, on peut prendre ici, on peut prendre en haut ou bien à gauche. Donc, je fais 0 plus 0. Je vois dans la case ici, ça me donne 0. Si je n'ai rien, ça me donne toujours rien. Si je prends 1 plus 0, je trouve la réponse ici. C'est ce que nous faisons avec le tableau de lecture. C'est la même chose ici avec la table d'addition. Donc 1 plus 0, je trouve 1. Si on prend notre exemple avec les oranges de maman, j'ai 2 oranges. On me donne encore 2 oranges. Donc je fais 2 plus 2 et je trouve la réponse en même temps 4. Vous avez vu? Si je prends un autre nombre, 7, ici, plus 5. Regardez bien. 7 plus 5, je viens, je trouve 12. Alors, nous allons utiliser cette table-là pour faire quelques exercices ici. Après, je vais vous laisser continuer. Bien. Nous avons 3 colonnes d'exercices. On va faire ensemble 2 exercices de chaque colonne. Si je prends la première colonne, on me demande de calculer 3 plus 2. Alors, je regarde. 3 plus 2. Je viens ici. Je trouve 5. Et là, j'écris la réponse 5. Ça va. 6 plus 0 égale combien? Je cherche dans la colonne en haut. 6 plus 0, ça me donne toujours 6. Est-ce que vous avez vu? Très bien. Voilà. Voilà à quoi sert la table d'addition. Je continue. Avec ça, on peut toujours faire toutes sortes d'additions. On me demande 5 plus combien égale 8. Vous avez vu? Maintenant, je cherche 5. On me dit 5. Si je veux ajouter un nombre à 5 pour avoir 8, je cherche dans la colonne. Voilà 8 ici. Quel nombre on a ajouté à 5 pour trouver 8? Je viens, je trouve que c'est 3. Donc, quand je fais 5 plus 3, je trouve 8. Donc, ce qu'on a ajouté à 5, c'est 3. Compris? La même chose. Je prends un autre exercice ici. Combien plus 2 égale 5? Je prends 2 ici. 2. On ajoute un nombre pour trouver 5. Quel est ce nombre-là? Quand je viens ici, je trouve que c'est encore 3. Donc, 3 plus 2 égale 5. Et si je fais, tiens, c'est un bâtonnet, je peux réunir 1, 2, 3. 3 bâtonnets. 1, 2, je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 bâtonnets. Vous avez vu, non? Que c'est correct. On prend un exercice de la dernière colonne. Maintenant, on a rien donné ici. Combien plus combien donne 10? Combien plus combien égale 10? Regardez bien comment on va faire cet exercice-là.
Ici, on a plusieurs réponses. Hein? On veut avoir 10. Regarde dans la colonne. Ce sont les réponses qui donnent 10 ici. Jusqu'ici, tu vas voir ici. On a ajouté des nombres pour avoir 10. Alors, si je prends, ici par exemple, si je prends 10, qu'est-ce qu'on a ajouté pour avoir 10? Ici, c'est 6. Et ici, je vois que c'est combien? 4. Donc, 6 plus 4, ça fait 10. Donc, je peux prendre 6 plus 4. Ça va? Donc, je prends un autre 10. Si je prends 10 ici, qu'est-ce qu'on a ajouté? 10 plus 0 égale 10. Vous avez compris? Je prends 10 en bas ici. Alors, je vois ici qu'on a ajouté quoi? Il y a 8 ici. Oui. 8 plus combien? 8 plus 2. Donc, je peux choisir ici. Ça fait 8 Ça, c'était avec lui. Deuxième exemple maintenant, c'est plutôt 2. Combien plus combien égale à 2? On doit avoir une réponse ici, 2. Vous avez vu, non? 2. Donc, 2 plus 0 égale à 2. Ou bien, 2, 1 plus 1 égale à 2. Ou bien 0 plus 2 égale à 2. Donc on a trois réponses possibles. Donc je mets 2 plus 0 égale à 2. Voilà, chers amis, vous allez utiliser ce tableau-là pour trouver les autres réponses sur vos cahiers. Je vous remercie.